coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et voilà, j'avais dit bon, la prochaine fois on essaiera de rigoler sur Isaac. Et finalement, eh bien on va rigoler en essayant de terminer Tentil Jacob. Ok, donc on commence avec direct du XL, mais genre 2... Ah putain, mon tirade qui baisse, c'est vrai. C'est vrai que technologie 2 ça baisse le tir rate. Technologie 1 est mieux là-dessus quand même. Hein. Mais bon, un laser en plus, pourquoi pas. On va essayer. C'est tellement rare d'avoir un étage XL. Et d'avoir les deux salles à côté, quoi. Enfin, sur le, au niveau de l'entrée. Que bon, c'était un signe. C'était un signe pour dire cette run va être correcte. Fonce mon gars. Bon bah voilà. Bon bah mon Devil Deal vient de partir par contre. Finalement c'était peut-être pas si bien que ça. À bien voir. Pas de précipitement. On peut encore y arriver. La bib ça me fera un deuxième book en plus. Le technologie 2 qui marche pour l'instant. Hein. On va essayer de récupérer du T-Rite à un moment, mais pour le moment il fait le taf. Hein. Olé, je suis mis dessus. Hein. Vous êtes témoin? Vous êtes témoin, j'ai essayé de mourir. Hein. Dommage. De toute façon, ça va pas faire baisser plus mon truc. Hein. Vas-y, l'anarchiste cookbook ici, il y a plein de... Il y a plein de Ferrero Rocher. C'est pas grave, on le rappelle. L'important... C'est de pas se faire toucher par le frérot là. Tout le reste c'est ok, mais pas par le frérot. Là peut-être. Elle est où ma secret? Non, elle est pas là parce qu'il y avait des feux. Tiens, te v'là toi. Non mais à chaque fois. Chaque fois, je me fais baiser sur cette salle. À chaque fois. Hein. C'est assez incroyable, je rentre dans le truc, je vais au milieu et faut pas quoi. Faut juste pas, c'est le pire truc. C'est chaud en fait quand même. Ah merci, bisous. Coucou, je m'envole. C'est peut-être au-dessus du coup. Yes. Oh, la belle prise. Oh, la super belle prise. Da-da. Il y avait quoi? Bah la Bible. Hein. Finalement la Bible. Bzz. Bon, allez, let's go. Alors, on commence par petit connard. A priori, il n'a pas envie de se faire toucher. On a le temps. Le but, c'est pas d'avoir Hush ni... Merde. J'aime pas ça. Ni Hush. Donc on peut optimiser les étages. En plus on reste dans un étage et puis il y a de chance de se faire toucher par le frangin, mais on peut opti. Du HP, c'est nul, mais c'est ce qu'on nous propose, donc voilà. On va pas faire les fines bouches, hein. Oh!
Merde. Je me fais toucher parce que je suis étonné qu'à... Oh putain, encore du HP, quoi. Oh, ils abusent. Allez, cave. Enfin, 2 HP, quoi. 2 HP, 0 tir, 0... 0 dommage up. C'est pas la folie, hein. Et de la merde au shop, quoi. Alors cette salle là, quand le frérot va être là, j'utiliserai peut-être la Bible hein, à ce moment là. Hein. Parce que les salles où faut temporiser, c'est les pires. Hein. Oh là là, le dégât est pas là, hein. Le dégât est pas là, hein. Vraiment. Va falloir que ça augmente là, le dégât, parce que... Pour le moment, c'est de la merde. Hein. Putain. Vas-y. A commencé à piffer. Ouais, attends, range, ok. Je me déteste vraiment, merci. Les sales. Oh, les sales. J'ai même pas vu ce qui m'avait touché, hein, mais... Ah bah c'est super, bah oui, mon Devil Deal... Bah oui, bah évidemment. Évidemment, touché dans les cœurs rouges. Quel génie. Mais j'arrive pas, non mais 3,50 de tirade, c'est horrible. Je pense que je vais redémarrer. Je pense que je vais relancer la run là parce que... C'est un peu la même merde là. Ouais bon, c'est bon. On va aller voir si on peut avoir la... Si on peut avoir la salle d'items, et puis si l'item est pourri, on recommence. Ah, j'ai pas de clé. La bonne blague. Vous attaquez pas? Vous avez vu? Il nous avait reconnu, il nous a dit tiens, c'est vrai que c'est mon frangin, peut-être qu'il faudrait pas que je l'attaque. Peut-être qu'on devrait être frangin. On devrait, enfin, on n'est pas obligé de s'entendre avec ses frangins et ses sœurs, hein, Marc. Hein. Je suis en train de dire ça, mais... Ce n'est pas une obligation, loin de là. Ce n'est pas mon cas, hein, mais si... Si votre frangin ou votre sœur... est un ou une connasse... bah voilà quoi. T'as le droit de dire bah j'ai pas envie d'avoir de relation avec toi. Bisous. Bon. Bon objet ou pas bon objet? Pas bon objet. Allez hop, c'est bon, on est reparti. C'était nul. C'était merci, mais c'était nul. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh! 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 C'est un chou qui a trop tôt, mais c'est un chou qui a bien quand même. Ça donne quoi, premier étage? C'est assez rare qu'on l'ait au tout début, la Pandora's Box. Le Basement, Two Soul Hearts. Ok, bon, on va essayer d'attendre cave 2. Ah bon, j'espère qu'on aura un bon objet de... Ah, le tech 2, c'est quand même moins un de tirite, hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. Attendez, il y a le frangin qui arrive, là. Merde, les taux piqueurs. Oh, les taux piqueurs. On les aime pas les topiqueurs. Hein. Olé, j'ai failli me mettre dessus. Hein. Dun, 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 dun.
Ok, Montezuma. Donc Montezuma, du brimstone mais à l'envers quoi. Disons que c'est brimstone mais pas par la bouche quoi. Cœur moisi, vas-y. Oh, des caca. Ça nous fait pas avancer plus vite, c'est ça qui est dommage. Ça aurait été beaucoup plus réaliste si ça nous faisait avancer plus vite. Voilà. Cette salle, par exemple, c'est particulièrement intéressant. Voilà. Allons au shop, allons juste voir ce qu'il y a. Pas vraiment intéressant. Pas de regret de ne pas avoir de sous. Cette salle, déjà de base, est pas forcément évidente, mais avec l'autre qui nous court au cul, là. Et vas-y, attaque-moi, merci, voilà. C'est fait. Oh, super. Bah voilà, tu vois quand tu veux, t'arrives à être utile. C'est pas tous les jours, mais de temps en temps. Ça, je pourrais le déplacer. Ce qui est évidemment risqué avec l'autre là qui nous suit. Non mais ça, j'y suis déjà allé, qu'est-ce que je fous? Ah, ça y est, Yarabia qui revient. Yarabia qui se rend compte que finalement, je vais pas crier. Je vois pas pourquoi Rabia pensait ça. Putain, je vais crier. Mais je vais crier. Je me suis tellement fait toucher quoi. Je me suis tellement fait toucher. Oh, le Montezuma, je sais pas le diriger. Hein. Pourquoi je l'ai commencé ça? Ah oui, c'est que j'avais la Pandora's Box. J'allais dire, mais pourquoi je l'ai commencé cette run? Elle est nulle. C'est parce que j'avais la Pandora's Box. Bravo à moi. Hein. Quelle bonne idée. Ok, parfait. Gulp, ok. Ah mais ça m'a gulpé, mais oui. Très très bien. Oh mais merde. Au moment de le dire d'ailleurs. Je vois plus jamais le Small Rock par contre. Alors est-ce que j'éclate plus les feux ou est-ce qu'il y a plus? Oh merde. Oh merde. Mauvais call, vraiment. Ok, voilà. C'est mort. The Lovers, vas-y. On va aller essayer d'aller à notre shop en premier. Oh merde, merde, merde. Je les déteste, c'est ça. Je les déteste, mais ça s'est bien passé. Oh, il m'a poussé sur l'autre, le connard.
Vas-y, chope en premier. Oh là 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 là. Oh, il y a des belles choses là. Oh, il y a des belles choses. Tarot Kloss quoi. Tarot Kloss, c'est bien. Ça m'a fait... Ah, The Sun. si jamais par chance, que dis-je, par un miracle, on trouve la blank card, on pourra l'utiliser. Et pour ça, il nous faudrait vraiment un miracle. Donc la blank card, a priori, n'existe plus dans les fichiers du jeu. Aller choper mon... Qu'est-ce que tu fais, Arabia? Tu peux pas venir te barrer, c'est chiant. Et surtout, faut choisir, quoi. Donc, rester sur le bord du bureau, c'est juste relou. Merci, mon chat. Merci, mon chat, d'avoir pris une décision à un moment. Grand bien t'en fasse. Non, ça peut pas être là. J'ai juste pas réfléchi quoi. Je pose ma bombe et je me dis bah non, en fait, non, c'est pas là. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour être là. Seulement ça pourrait, mais en plus ça l'est. J'ai du cœur rouge. Est-ce qu'on va tenter. La Soul of Jacob et Esso. Comment dire qu'en avoir un de plus? C'est non. Ok, bon. Je sais pas ce que ça fait le The Sun. Le The Sun avec comment ça s'appelle là le truc là avec le tarot. Non mais merde quoi. Bon ouais, c'est bien, j'ai plein de cœurs, mais à un moment c'est quoi la flamme? Oh non, Vengeful Spirit, c'est nul. Putain, c'est le pire truc. J'ai jamais compris comment ça marchait. C'est quand on se fait toucher, après on devient The Lost. Et puis après... Ah non, c'est peut-être pas ça. Ouais. Et super, bon, c'était naze. Je suis plus grand, c'est nul. La super secret est pas là. La super secret va être tout à droite. Du coup, putain, mais Rabia a choisi à un moment. Quel relou. Et voilà. Ok, un cœur noir. Est-ce que les petits potes, je les garde? Les petits potes de d'où je me suis fait toucher, je vais les garder. Non mais je vais Vengeful Spirit, pourquoi j'ai des flammes? Je sais absolument pas c'est quoi cet objet du coup. Et quoi d'autre comme ouais non, je vais pas... De toute façon j'ai ouais, le sacrificial altar, je préfère garder mon ma Pandora's Box. Ah attendez, Kevixel. Je me suis bien fait niquer quoi. Sur ce coup là je me suis bien fait niquer en fait. Parce que j'espérais un objet et deux cœurs. Et non seulement l'objet était nul. Bon j'ai Stapler derrière mais prendre Stapler c'est cool. Coucou patatarte. Tu
Tu viens enlarge ton weapon, c'est ça? J'aimerais bien faire du dégât. Mais j'en fais pas. Ah, c'est super, c'était le. C'est super, c'est celui d'élite qui m'a touché. Alors j'ai perdu mon cœur noir direct. C'est trop bien. C'est trop bien le jeu. One make you larger, c'est no more. Ton weapon est déjà en train de s'élargir. Ah, trop bien. Trop bien. Bah du coup, je peux aller dans ma... Vas-y, hein. Du coup, on va aller dans la curse, hein. Oh. Petit objet de chat. Miaou, miaou. Et ça me donne des... Putain, mais ouais, non, mais c'est bien, en fait, les larmes, là. Non! Je m'en fous, hein. Tant pis, nique la police. Non, je voulais dire... Akab. Non, je voulais dire... Aïe, m'en fous de mon Devil Deal ou de ma God Room, quoi. De toute façon, mon... Merde. Ça sera mon Devil Deal, vu que j'en ai déjà pris un, donc il n'y aura plus de God Room. Non, mais Vengeful Spirit, en fait, c'est bien, hein. J'ai confondu avec quoi? Le truc qui me transforme en petit fantôme, là, à chaque fois que je me fais toucher. Il y a un truc comme ça qui est vraiment très nul. Oh là là, mais oui. Oh, les flammes. Flamèche everywhere. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Un plomb. À cause de ce perso. Après, ça va, hein. Les ceux qui me restent, il y a peut-être Tainted Forgotten va être un peu chiant pour les trucs que j'ai à faire. Mais globalement, c'est pas des persos horribles, les derniers qui me restent, quoi. Enfin, mis à part lui, quoi. Mais lui, là, à la fin de cette run, il est terminé, quoi. Lol. Loli lol. Down. J'allais dire, il me paraît grand l'étage, mais oui, c'est un XL. C'est un peu le principe. C'est un peu le principe des deux lettres, le X et le L à droite, veulent dire que l'étage est grand. Mais donc, c'est pour ça que le layout de l'étage. Bien. J'adore. Quand tu as le choix entre de te faire toucher par ton frangin ou te faire toucher par un ennemi, vraiment, je kiffe. Et entre les deux, ça va le faire, non? Oh là là. Vas-y, vu comment je me fais toucher dans cette run. On va prendre ça. Vas-y aussi, c'est pas cher. Faudrait que j'ai un cœur quelque part. Oh non, pas le... Non, mais non. Pas le almond milk. Oh, pas le almond milk. Pourquoi tu me fais ça, le jeu? Pourquoi tu me fais ça, le jeu? Je voulais qu'on soit amis. Je voulais qu'on soit amis, le jeu. Et toi, tu passes ton temps à me troller.
à me troller d'amende. Vous l'avez ou pas? Non mais deux objets de chiasse. C'est pas un reroll, hein, non. The Sun c'est pas pour reroll. Putain, deux objets de chiasse, mais vraiment nul quoi. Ça saoule un peu quand même. Je dois vous avouer que je suis très désappointé. Vas-y, on prend le cœur. Comment ça a l'air d'être la run de la touche là. La run de Docteur Touchette. J'espère que vous avez la ref parce que sinon je passe pour un gros dégueulasse quoi. Tan 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 tan. Ce qui est bien avec le mitre, c'est que du coup, ça me je peux refaire des petites moumouches quand je me fais toucher. Il est passé deux fois dedans, il s'est fait défoncer deux fois. Hein. Allez, un bon objet, stop. Seringue de pipe. Putain, le tirade qui descend. Le tirade qui descend, super, merci. C'est exactement ce que j'avais demandé. Hein. J'avais dit surtout, le jeu, file-moi des trucs bien merdiques, histoire que ça continue comme ça. Que rien ne change. C'est exactement ce que j'avais demandé. Hein. Oh là 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 là. Putain, il y a du. Non, mais un peu de tears up, ouais. Putain, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Hein. En termes d'objets, c'est vraiment, vraiment pas la folie. Une Curse of the Lost. Les bruits de paix toutes les deux secondes là. Qu'est-ce qu'on s'amuse hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec les bruits de paix, bruits de paix. Attendez, j'en profite pendant que l'autre con est pas là, là. Parce que genre cette salle, merde. Genre cette salle, je ne sais pas comment on l'a fait quand lui est là. Hein. Deux monstros quoi. Deux monstros dans une salle de cave au pif quoi. Est-ce qu'on s'amuse hein. Ah non je suis adepte. Ouais bon ok. Ok une machine. Ah. Wallale, wallale, wallale.
Ok, j'ai toujours mon strength. Oh non! Ça m'apprendra à pas faire attention où je vais. On a quoi? Un coffre simple, tout naze. C'est non. Il me faudrait un peu de speed là. Oh putain de nick! Putain mais la gueule du... La gueule de l'étage quoi. Évidemment, la troll bombe qui troll. Parce que c'est son... C'est son but dans la vie. Oh, oh là là. J'étais pas confiant sur cette salle. Hein. Ah, larynx. Attendez, larynx, je l'ai jamais... Je crois que ça fait du dégât à mort, larynx, non? Il y a un truc assez fou avec ça. Larynx. C'est un shout attack. Avec son effet qui augmente en dommage et en taille. À chaque fois que j'ai une charge. Larynx can be used with any number of charges. La charge 1, c'est 48 dommages par ennemi. Proche d'Isaac. Ah d'accord, c'est ok, je peux l'utiliser n'importe quand en fait. D'accord, et à 12 charges, c'est un massive shout, c'est 356 dommages à tous les ennemis à l'écran. Larynx gain one charge every time you take damage. On va essayer ça. On va essayer cet objet, on l'a jamais essayé. On vient de le débloquer en même temps. Hein. Il a été débloqué il y a pas longtemps. Hein. En plus, il va charger deux fois. Vu que j'ai mitre. A priori quand on se fait toucher, il charge. Et en plus j'ai mitre qui fait que je charge mon objet quand je me fais toucher quoi. Donc c'est deux charges à chaque fois quoi. Alors que la musique s'énerve. Allez, on l'essaye. Ah ouais. Ok. Le petit Montezuma là qui a fait son taf. Vas-y, j'ai plein de... Oh le vent, oh le vent, le vent, le vent qui pue, il est nul le vent qui pue. Est-ce que je l'ai déjà pris? J'ai déjà dû le prendre le vent. Ah je sais pas si je l'ai déjà pris ou si je l'ai déjà eu. Merde. Merde, vent qui pue. Ça me file de la luck à chaque fois que je tue un ennemi ou je me fais toucher, je sais plus. Vas-y. Ah, c'est à chaque fois que je tue un ennemi, je gagne de la speed. Vas-y, c'est un peu naze, mais... J'étais pas obligé de le prendre. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Ah ouais, bah oui, bah évidemment, évidemment.
Qu'est-ce que je fais? J'y vais où? Ouais, vas-y. Super. La bonne salle bien troll, là. Ça fait bien plaisir. Il arrive où? Il arrive là-bas. Ok, non mais va-t'en, va-t'en, va-t'en! Va-t'en, va-t'en, tu m'énerves. Ah, ça casse même les cailloux! Petit hiérophante là. Bah oui. Ah, ça ouvre même les portes. Ah, c'est ouf. Ça ne fait pas que faire du dommage, ça ouvre aussi des portes, quoi. Comme quoi, un gueuler, ça ouvre des portes, hein. Oh là là, j'y croyais pas. Hein. C'est pas grave. Oui, ça me plaît. Ça me plaît. Ok, ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi. On se barre. J'ai eu du bol. J'ai eu du bol que l'explosion m'atteigne pas. Oh, je fais pas de dommage, quoi. Je vais vraiment tenter un... Oh non. Oh non, pitié. Oh, ça va. Les larmes des flammes, elles sont spectrales. Donc je vais pouvoir arnaquer le truc, en fait. J'ai réussi à faire les... Ah, trop bien. J'ai réussi à faire la salle sans être obligé de passer sur les pics. Sinon c'était mort. Hein. Non, il y avait une clé là, je crois. Ouais. La petite salle du démon là. Là. J'ai eu peur. Et... Putain, le mitre, ça aurait été bien de l'avoir au début de l'étage, quoi. Ok, à la fin, mais bon. J'ai pas... Je suis où? La nécropole 2, mais faut que je trouve mon... Oui. Faut que je trouve mon crâne marqué, là. Je suis en train d'y aller en mode casu, là, mais un moment... I need to find my crâne marqué. Ah mais du coup je peux acheter des trucs au shop vu que j'en aurais... Si j'en ai encore après, si j'en ai encore après. I am con. I have to remember. Ok. C'est con, je vois pas ma vie. Sinon j'aurais peut-être pu exploiter celui à droite mais... Vu que je ne sais pas combien il me reste de points de vie, et bah tant pis.
Tant pis, tant pis. Down, 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 down. Ouais, des clefs, ça va, j'en ai. Bah, le blâme, crâne marqué. Regardez, il est là, il se cachait, le petit malin. Et le petit malin. The full head. Tum, 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 tum. Bon, allez, on va essayer le larynx là. Un petit coup de larynx. Attendez. Pourquoi je tente pas ça hein. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Non, mais les allers-retours qu'on est obligé de faire pour essayer de l'éviter, quoi. Coucou Chrisou. Comment tu vas-tu? Oh, j'ai mon The Fool, hein. Ouais, j'ai mon The Fool. Hop là, vas-y. Ah oui. Ah oui. Ah bah le larynx. Non, c'est pas dans cette run là que j'ai eu plein de bouquins. Hein. Non, bah on se casse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai appuyé, j'ai... En fait, tu vois l'objet que j'ai, c'est le larynx. Et donc il y a... tu peux l'utiliser quand tu veux en fait. Là si je veux, je pourrais l'utiliser. Tu l'utilises à n'importe quel niveau de charge tu veux. Mais plus tu attends sur les niveaux de charge, et plus l'effet va être puissant. Et voilà, et donc si t'attends le 12, tu fais 350 dégâts sur toute la salle. Enfin bon, c'est assez fortiche, quoi. Ah bah oui, forcément, j'ai plus ma vitesse. Aïe. Putain, lui avec son parapluie de merde là. Vas-y, j'ai des clés. Hein. Oh, The Hierophant. Merde, j'aurais pas dû l'utiliser tout de suite. Ah, mais j'ai des cœurs en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai autant de cœurs? J'étais nul. Évidemment, évidemment, évidemment. Faut qu'il arrive à ce moment-là, ce connard. Putain de merde. Il m'énerve, je vous promets, il m'énerve. Oh non, putain, ça va être l'horreur, ça va être l'horreur. Avec lui dans les pattes là. Oh. Non, j'avais pas de vie. Putain, faut que je fasse mausolée sans me faire toucher, super. Super. Quelle est la probabilité que... Non mais putain, 0,98 de speed, qu'est-ce que je fous avec ça, quoi. C'était des bonnes salles bien merdiques, hein. Ah, ils m'ont bien gâté sur le mausoléum, hein. Sincèrement... Si j'avais voulu plus merdique, je suis pas sûr que j'aurais pu avoir. Hein. Ah bah vas-y, c'est mort. Bah ouais, bah qu'est-ce que je fous, sans déconner. Quel jeu de bite. En même temps, j'ai pas de starter, sans rien. Pas un bon objet pour commencer, quoi. Mais non, mais j'ai pas de familier. Je m'en fous. Je file pas ça au début, quoi.
Alors c'est cool parce que le... Par contre le larynx c'était pété hein. Ça c'est cool ça. Les Bogor Tears, c'est bien. On va essayer de choper de la luck histoire d'en faire plus. Ah le flip. Tu flippes et tu flappes. Ah le flip. Ah putain j'aurais dû le prendre. J'aurais dû le prendre. J'aurais tellement dû y aller avant en fait. Pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh va falloir opti. Va falloir opti avec l'autre con qui nous court au cul, ça va être super. Hein. Et... je déconne ou il me spawn dessus exprès? Est-ce que le jeu en ferait pas exprès de me faire spawner le frangin sur ma gueule? Il y a toute une salle, plein de places, tout partout. Mais non, faut qu'il arrive sur moi. C'est tellement plus rigolo. Mais arrêtez, arrêtez. Bon bah vous pouvez revenir dans un quart d'heure quand j'aurai fini la salle. Hein. Vas-y, va sur lui. Super, merci. Oh, merci. Oh, il m'a aidé. Vous avez vu, il m'a aidé. Finalement. Finalement, on est de nouveaux copains. Il y a un plus un derrière le... Derrière la merdasse. Ah, j'aurais pu avoir deux objets de... d'items, quoi. J'aurais pu avoir deux items en item room. C'est bien dommage. D'habitude, en plus, je vais souvent dans la sacrifice... Enfin, dans la curse avant. Je sais pas pourquoi je suis dans la curse après, pour une fois. Les bonhommes pierres. Les bonhommes pierres, on peut pas tirer, voilà. Je fais déjà zéro dégâts. Mais en plus, pour améliorer ça, il y a les bonhommes pierres qui m'empêchent de tirer. Alors vous avez vu, hein, c'est soit 0 boogers, soit j'en mets 12 sur le même ennemi. Hein. Voilà, mais pourquoi? Ah oui, il a pris feu, lui, ce con. Oh yes. Bon, allez. Allez, on déconne plus. On déconne plus, là, il y a un bon début. Il y a un bon début. Je vais me taper deux items, là. C'est trop bien. Dans l'item room, c'est deux items. Merci le flip. J'ai eu un dommage up. Allez, on y croit. Viens mourir. Non, viens mourir. Viens mourir avant que le... Vous savez, c'est ces araignées qui, d'habitude, vous sautent à la gueule. Mais quand vous avez envie qu'elle se dépêche avant que le frangin se pointe, elle s'éloigne. Oh, quel connard. Et viens, attaque-moi. Attaque-moi. Non, c'est fou. Oh là là, quel enfer. Allez, j'y crois. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait... C'est un effet enfin, pas négatif, c'est un effet neutre. Ça faisait rien. J'en préfère un tears up, mais... Qui c'est qui fait 50 dégâts, mais par 50 000 larmes. On est bien? Oh non, on est bien.
Ce qui est bien avec ce perso, en fait, c'est de rester longtemps dans les salles, histoire de se faire toucher par le frangin. C'est quand même la pire connerie qui puisse nous arriver. Avoir des salles où ça dure 10 plombes, c'est quand même génial. Hein. On s'amuse fort. Hein. Bon bah, bye bye mon Devil Deal, merci. C'est quoi ça? Attends, j'ai la batterie et Diplo. Ouais mais non. Pourquoi j'ai... Je veux mon objet, moi. Merci. Désolé, mais là, fallait que ça sorte. Non, mais c'est quand même un sacré jeu de merde. J'ai un activable qui me permet d'avoir deux items dans l'item room. Et j'ai deux items de chiasse. Sincèrement. Est-ce normal? Deuxième picouze. Oh la faux. Oh la saucisse. Oh, et l'autre à côté, il y a Belial derrière. Oh là. Enfin, il y a... oui, le Eye of Belial. Mais évidemment, je me fais toucher comme un gros sac à merde. Alors du coup... je peux pas le prendre, mais... Il a été tué à la saucisse et au marteau, quoi. Qu'est-ce que je peux espérer là-haut? Je pourrais espérer un Forget Me Now, à la limite. Ou un D6. Un D6 global sur le... Putain, ouais, c'est un D6 sur tout l'étage. Pourquoi je suis parti sur le fait que c'était une salle 2D alors que pas du tout? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai pensé ça? Oh! Attendez. Est-ce qu'il y a une batterie? Ah mais putain, j'ai pas les sous! Dans les pots, quoi. T'es dans les pots. Est-ce qu'il y a une batterie au shop déjà? Ah, il y a plein de pots là. Il n'y a pas de batterie au shop, alors comme ça. La question ne se pose pas. Shit! Est-ce que le flip avec batterie? Faut que j'aille voir. Est-ce que le flip avec batterie, il reroll, enfin, est-ce qu'il fait flip-flip, du coup? Est-ce qu'il fait flip-flap la girafe? Flip. Flip. C'est pas marqué. De toute façon, je peux plus y aller dans le Devil Deal, je suis con. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Non, je voulais flipper. Non, je voulais flip. Non. Je voulais flipper celui qui est dans la secrète, c'est ça? Je voulais flipper la secrète.
Les phrases qui ne veulent rien dire. Je voulais flipper la secret. D'accord. Est-ce que la car batterie recharge mon objet ou pas? J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait que car batterie... Allons voir ça tout de suite. Car batterie. Car batterie, no effect. Il doit y avoir flip dans là-dedans. Il y a flip dedans, évidemment. Je sais plus si car batterie ça recharge mon item, je crois pas. En même temps, qu'est-ce que je risque de le prendre? Ouais, ça recharge pas. C'est bien ce qui me semblait. Attendez, il y avait quoi du coup? C'était quoi le premier objet dans le... Putain, le mec. Ah si, en plus il y avait diplo, si je pouvais faire, non, bah non, j'aurais pas pu. Parce qu'il y avait diplo, je pouvais diplo, et j'avais oh putain, j'avais 12 trucs. Alors c'est... Ah, le éternel des 6. Qu'est-ce que je peux reroll là, avec le éternel des 6? Je peux partager un truc dégueu avec vous? Oh, tu sais, ici, on va pas te dire non. Ah, je peux... Ah bah voilà, bah, et comme ça il a disparu. Voilà, comme ça, pas de... pas de regret. Pas de regret, ce connard de Isaac's Heart a disparu. On peut reprendre flip. Ah, le D6 éternel est bien parce que ça permet de reroll, hein, mais... Le flip est tellement bien, quoi. Je peux avoir deux objets à chaque fois. Bon, c'est mieux, quoi. Là, il n'y a plus rien. J'ai un rototo de Roland de mon Burger King de ce midi. J'ai l'impression de manger une seconde fois. Ah, bah, c'est pas dégueu, ça. C'est la vie. Ça, c'est la vie normale des vrais gens, quoi. Effectivement, par contre, si ce genre de truc t'arrive via un prout, là, il y a un problème. Mais si c'est via un rototo, c'est normal. Voyons. Ça ne fait... Tu n'es que humain, en fait. Tu es juste humain, après tout. Faut que j'aille charger mon objet avant. Là. Tease charged. Oh! Allez, un petit section. Into. Un petit charme. Oh putain. Un petit charme. Évidemment, hein. Évidemment, si j'avais pas des salles de merde. Putain, mais c'est pas possible d'avoir des salles aussi pourries, bordel. Quel jeu de chiasse. Oh, mais... Merde. J'ai un cœur, quoi. J'ai 6 sections, faut pas que je crève, quoi.
Ouais, l'autre qui me colle au cul là. Oui, m'énerve. Tiens, une salle de dés. Je suis humain. Mais oui, ça peut aussi te rappeler des ex dans certaines occasions. Alors là, Next a fait un rototo des burgers. Ah quoi? Après, bah. Quoi, le rototo? Ah bah, ah oui, d'accord. Ok. Oui. J'ai une faille, j'ai une anecdote très crade sur le sujet. Oui, mon cher The Grissou. Laissez votre. Quoi? C'est trop not safe for work. C'est not safe for Twitch. Arrête, déconne pas, il va se faire banner, quoi. Ah mais voilà, bah super, ça va être la salle où je vais mourir, bah vous... Tiens mais merde quoi. Merde. J'ai une bonne run, mais je me tape zéro cœur et des salles de chi quoi. Sans déconner. Putain, je me suis fait mal à la gorge. Pourquoi c'est toujours comme ça quoi? C'est infernal, hein. Quand vous avez des bonnes runs, bah vous avez pas de cœur. Allez, niquez-vous, hein. Contract from Bilo, qu'est-ce que je fous de ça? Putain, zéro cœur et des trucs de chi, quoi. Ça me saoule! C'est tellement le stress avec l'autre qui vous harasse tout le temps, quoi. Employé en lag, j'imagine si tu le souhaites. Mais arrête de vouloir le forcer, là. Il veut pas. Allez, régler ça en privé, quoi. S'il veut pas le faire de manière publique. Incroyable. J'en ai plus rien à foutre. M'en fous. Prendre des coups, m'en fous. Pas avoir de cœur, de toute façon. Le jeu a décidé que j'aurais pas de cœur, alors... Elle n'a rien à taper. Voilà. Vous avez vu, il me fait mentir. Il me fait mentir, ce connard de jeu. C'est vraiment un connard de jeu, hein. C'est vraiment un gros connard, ce jeu, hein. Vraiment, hein. Ta mère. C'est lui qui m'a guiche, bah voilà, évidemment. Oh non mais... Oh, je vais péter un plomb, je vous promets, je vais péter un plomb, j'en peux plus là. Non mais vraiment, le jeu qui méga troll quoi. Qui du coup veut me faire mentir juste derrière. C'est vraiment un bon gros connard ce jeu. Hein. Ah là, je... Je m'énerve un peu. Hein. Ah oui, non, mais tu sais, victim blaming, quoi. Le victim blaming. Hein. C'est, ah bah oui, mais c'est, vous avez vu, c'est The Crisou, vous avez vu comment il est habillé, c'est lui qui m'a aguiché, voilà. On les connaît, les gens. On les connaît, les gens comme ça. Hein? Oh yes. Ça par contre ça me plaît. On va aller chercher la clef. Ah non, je peux pas le faire. Oh, regarde, oh, je peux le de... oh, regarder. Oh, il peut pas me suivre, il peut pas me test. Le frangin peut pas me test, trop bien. Tiens, vas-y, c'est pas cher. Super, non, super. Est-ce que... Ah oui, vas-y, là, parfait là. Nice. Parfait aussi là. Ah merde.
Vas-y. Non, non, je vais garder mon petit cheval. Oh non, mais qu'est-ce que je... Putain, mais... Putain, mais regarde le jeu. Mais non, mais je regarde le chat. Oh, mais putain, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. J'achète un cœur pour le perdre juste derrière, quoi. Des fois, c'est pas que la faute du jeu, hein. Faut avouer que je suis quand même un sacré sac à merde. Hein. Le jeu n'est pas entièrement à blâmer, hein. De temps en temps... Putain, mais il est tout piqueur. Je fais zéro dégâts, je fais zéro dégâts, je fais zéro dégâts. Zéro dégâts, zéro, zéro, zéro dégâts. Zéro, 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 zéro dégâts. Zéro, 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 zéro dégâts. J'ai vraiment pris le Dark Bomb alors que c'est le pire familier maintenant, quoi. Ça marche plus. Ça marche plus jamais le Dark Bomb. Ce con fait de la merde tout le temps. Mais j'ai pris ça, quoi. Vas-y. Vas-y, de toute façon. A priori, dans ces parties, ce que je veux, c'est des cœurs. Pam pam pam. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Oh bah, j'en parlais tout à l'heure, tiens. J'en parlais tout à l'heure, je disais qu'on le voyait plus. La pilule complètement orange. Ah shit. Parce qu'il y a le... Il y a le placebo dans le shop. Bon, si à l'avant, la fin de l'étage, je retrouve... une pilule orange. Je vais chercher le placebo. Hein. Tant pis pour le petit cheval, mais... Non, bah finalement. Finalement, c'est bon, je l'ai eu mon tears up. Il arrive pas à me suivre, il arrive pas à me suivre. Nananer. Alors, hop, hop, hop. Oh, c'est bien le petit cheval. Oh là là, les petits chevals. Le petit cheval. Il a pris tout le vomi de sang dans le visage. Vous voyez, il y a plus dégueulasse que vos histoires, en fait. Hein. J'ai pas assez de... Ouais, vas-y, j'ai pas assez de cœur, on va tenter les God Room. En plus, avoir du défensif, ça pourrait être pas mal. Oh, si on pouvait avoir un Holy Mantle. Ça serait tellement... Un petit Holy Mantle, là. Ah bah oui, c'est vrai, il faut que j'attende que machin se régale avec les cœurs rouges, là. Ça, il est déjà là, lui. Il perd pas le temps, hein. Non, c'est pas celle-là. Vas-y, petit Dark Bummy. Je joue comme si j'avais... Je joue comme si j'avais un boss rush à faire là. Hein. Après si on peut arnaquer... Si on peut arnaquer un objet au boss rush... Why not, hein. Ok, une pièce. J'irais bien voir mon shop avant.
J'irais bien à mon shop avait d'aller à ma salle d'item. Au cas où on aurait... Et merde, je l'ai vu. Putain, quel roi... Oh bah oui, bah super. Et puis j'ai la pire salle pour me faire toucher derrière. C'était évident que le champignon allait tirer pile au moment où je passais à côté. Le champi ne fout rien, je rentre dans la salle, le champi ne fait rien, absolument rien. Le moment où je passe à côté, il me tire dessus. Shit! Ah, reflip. Alors que le retour du flip. The comeback of the flip. The flip comeback. On croit en toi, mais... Oui, mais je sais que vous croyez en moi, mais c'est le jeu par contre qui croit pas en moi, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est que le jeu ne croit pas en moi, et le jeu le fait exprès. Le jeu a sa propre vie. Le jeu a sa propre conscience. Et le jeu le fait exprès. Le jeu dit, bah tiens, regarde. On va pas tirer. On va faire en sorte que cet ennemi-là tire pas du tout. Depuis qu'il rentre dans la salle, il tire pas. Et quand il passe à côté, étant donné qu'il a plus le droit de se faire toucher, bam, dans sa gueule. Qu'est-ce qu'on va rigoler, hein. Alors que pas du tout. On rigole pas du tout. Personne ne rit, quoi. Putain, et là, il y a un Zerzoption, évidemment. Putain, merde. 14 balles. C'est quoi derrière? Je sais même pas ce qu'il y a derrière. Encore un lucky coin, c'est cool. La clé là, je pourrais la récupérer après. Il faut que j'aille chercher mon... Faut que j'aille chercher mon Zerzoption avant d'aller au boss. C'était quoi derrière? Ouais, ok, la Bible. De toute façon, c'est trop tard donc, pour la Bible, donc c'est mort. J'aurais pu l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Bah, de toute façon, ça m'aurait enlevé mon flip. Non, ça m'aurait enlevé mon flip, donc non, aucun intérêt. Oh là là. Oh, c'est le frangin qui a tout fait. Hein. Évidemment, du tears up. Vas-y, touche-moi. Merci. Y'a rien d'autre à les choper. Let's go. Oh là là. The Hermit. Ouais, je charge mon flip et j'y vais en fait. Ouais non, ça sert à rien, j'ai pas de thune. Déjà ! Genre, j'ai le temps de faire une salle, quoi! Putain! Quel relou! L'autre qui me pousse. S'il m'avait poussé dessus. Oh, mais je pétais un plot, hein. On est le Yuck Art. Et le muco machin là. Muco machin, c'est bien. Muco machin, on est content. Je vais aller dans mon... C'est quoi la grosse... Oh putain, la grosse pilule là.
La grosse pilule, Sama. Vas-y, 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 viens. Viens. Mais il... Vous savez quand vous avez pas envie qu'ils viennent? Shit. Shit. C'est vrai qu'on... Oui. Ah, il y avait le pinta là. Il y avait le pinta derrière. Bon bah let's go. Bon, c'est quoi? C'est quoi la grosse pilule? Oh, I'm excited. La pire. La pire. Ah, je vais crever. Je vais crever à cause de ça. Parce qu'il y a des... Oh là là, les salles. Les salles qui vont aller hyper méga vite quoi. Ça va pas être fun, hein. Ça va vraiment pas être fun. Hein. Ah bah oui. Ah bah les... les meilleurs. Les meilleurs. La salle. La salle de merde. La salle de merde super accélérée. Renan, non, non, non. Nul. De toute façon, j'ai pas de thunes. Qu'est-ce que je m'emmerde. Ça fait quoi, I'm excited? C'est de temps en temps, en fait, il y a... tout va être accéléré, en fait. C'est... Putain, j'ai eu peur. Mais là, étant donné que j'ai chopé une grosse pilule, l'effet est décuplé, en fait. Donc l'accélération est vraiment très très vénère. Bah allons au boss hein. J'ai rien à récupérer. Non, j'ai plus rien à récupérer. Tu. Super, caca maïs. Merveilleux. Vas-y, bute-le, tabasse-le. Merci. Allez, go. Par contre, j'ai pas de vie. Hein. Voilà. J'ai une run qui est pas dégueu. J'ai de nouveau le flip. Ce qui est cool. Hein. Enfin, ce qui est cool quand le jeu vous file pas des item room complètement naze, mais potentiellement, voilà. Ça me permet d'avoir deux objets très régulièrement à la place d'un. Non mais genre, j'ai même pas fait une salle, mec. Attends un peu, j'ai même pas fait une salle, quoi. J'ai même pas le temps de profiter du jeu, quoi. J'ai même pas le temps de profiter un peu du jeu. Direct, je me fais bolosser par l'autre con. Je vois pas ma vie en plus. On est bien. Hein. Je crois que j'ai un cœur rouge et un cœur bleu, il me semble. Ok, on va au petit. Oh là là. Oh là là, c'est naze. C'est naze. Mais c'est d'un naze. C'est d'un naze. Et le pire, c'est que je vais prendre quand même, quoi. À dégâts down, mais du tears up. Par contre, maintenant, je suis faible. Je suis tellement faible. Quoi? Putain. Putain, le truc pique.
petit rocher à pic. C'est encore nul. C'est terrible, c'est terrible, mais c'est encore nul. C'est vraiment terrible. Je suis extrêmement déçu. Et par contre, avoir le vol avec lui, ça vous soulage. Je suis pas certain que je serais encore en vie si j'avais pas eu le vol. Hein. Et vas-y. Magic Mosh. Tout bombé, on va essayer de trouver une trappe, je sais pas, un truc. Moi je veux un truc. Il est hors de question que je reparte si le jeu m'a pas donné un truc. N'importe quoi, hein, m'en fous. Je veux un truc. Non, je veux pas mourir. Non, la mort n'est pas une option. Je veux un truc bien. Le jeu... Bah tu m'as demandé un truc, je t'ai donné la mort. Hein. De quoi tu te plains? Pouette. J'obtiens. Tellement l'enfer. Optimisé à mort. Tout ce qu'on peut obtenir, on va essayer de l'avoir. Oh, ouais, bah, la mort en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Je sais pas pourquoi je me fais du mal comme ça. Hein. Up, trop bien. Enfin, trop bien, c'est nul, mais étant donné la tronche de Maron, je suis en train de m'extasier devant un health up, quoi. Ah, faut vraiment être dans à un point. Faut vraiment être au fond du trou pour dire oh là là, health up, c'est trop bien. Oh là là. Oh le pauvre pain. Le pauvre pain, ce qu'il a pris. Ça sert à rien que j'aille dans le Devil Deal, étant donné que de toute façon, j'ai que deux cœurs, donc ça me servirait à rien. J'aurais pu arnaquer un truc avec le flip, mais non, quoi. Ça aurait été bien trop compliqué. Enfin, je les déteste. Je les déteste. Et pas que parce que ils m'ont fait mourir tout à l'heure. Hein. Mais ouais, non, ils sont tellement chiants. Are you a wizard? Quand tu chantes, wizard. Il vient d'où le petit cœur bleu là?
The Ankh. Et The Ankh, on veut pas l'avoir. On va prendre les pros. Hein. Enfin, un lèpre d'ailleurs. Les pros. C'est l'objet que... C'est l'objet, vous devenez un poète. Mais il est énorme lui. On dirait un boss. The Sun Inversed, c'est non. J'ai 11... Mario Wizard encore. Oh, Tears Up, c'était jaune et orange. Jaune et orange, c'est Tears Up. Faut que je me rappelle de ça. Jaune et orange is Tears Up. En même temps, je suis déjà à 5,50 quoi. Faudrait plutôt un truc avec du dégât là. Hein. Faudrait plutôt un petit stapler là. Un petit hand stapler là, on serait bien. Je suis pas là encore. Non, j'ai pas encore eu ma mon shop, mais je l'ai pas. Oh! Putain, mais le feu de merde. Ah non, c'était celui-là. J'ai cru que c'était le feu rouge qui m'avait touché, mais pas du tout en fait. En fait, c'est moi qui me suis jeté sur un feu normal comme un débile que je suis. Pas mal. Faut avouer, c'est pas courant. Hein. Oh, mais ce perso, il est en train de me rendre complètement con, quoi. Oh là là, et pas de shop quoi. Ça aurait été si compliqué que ça de me filer un shop quoi. Pour une fois que j'avais de la thune. J'ai the flip. J'ai flip et de la thune. Et du coup le jeu me donne rien. Allez, démerde-toi avec ça hein. Ça me donne le choix entre deux objets ou pas. Mais reste là-bas, t'étais bien. T'étais bien là-bas. Hein. Oh, j'ai failli me faire toucher. Hein. Allez, tears et shot speed up. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie. J'ai vraiment pas de vie. C'est trop rigolo de pas avoir de vie dans le jeu, dans le jeu. Ça m'oblige à jouer bien et ça, j'y arrive pas! Adoption papers. Ça me donne pas des petits potes, ça? Adoption papers. All shops, only sell familiars, while holding this trinket. Il y a quoi comme familier que j'aimerais avoir? Aucun. D'accord.
Voilà, voilà, voilà la réponse. La réponse est dite. La réponse est dite, quoi. Le trinket doré, en plus le trinket est doré, donc je sais pas ce que ça donne en plus. Est-ce que les familiers sont meilleurs? J'aurais jamais de Godroom quoi. Ah non, Devil. Oui, j'avais pris un Devil Deal au début, c'est vrai. Évidemment que j'aurais jamais de Godroom, ça c'est sûr. Vu que j'ai pris un Devil Deal au début, c'est certain qu'il n'y aura pas de Godroom. Ouais, let's go, on va petit. Putain, mais merde, 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 merde. Et double merde. C'est de... Putain, j'ai que des objets. J'ai le flip, mais j'ai que des objets. Pourquoi? Putain, je veux mon flip. J'ai oublié mon flip. Oh là là. Duke, imagine, ça donne des familiers de Devil Deal, Godroom. Bah ouais, mais y a quoi comme bon familier en Devil Deal ou en Godroom? Genre ceux que j'ai vraiment super envie d'avoir, quoi. Genre. Incubus. À la limite. Ça va quoi? Je vais essayer de recharger mon objet. Ça va quoi? De toute façon, vu que c'est pourri... Vu que de toute façon tout ce que me donne le jeu est pourri. Vu que le jeu a décidé de m'emmerder. Eh bien allons voir ce qu'on va nous filer comme... Comme familier nul. J'arrive pas à voir qui sont mes potes. Voilà, j'arrivais pas à voir qui sont mes potes. Super, 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 super. Vraiment, hein, je... Il y avait tellement de... d'ennemis, d'amis dans cette salle. Incapable de faire la différence quoi. Allez, 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 allez. The Tower c'est nul, Death c'est nul. On va regarder notre téléport hein. Les cavaliers de la peau et l'ange qui tire des larmes sacrées, c'est peut-être nul mais moi j'aime bien. Non mais on va aller voir. On va aller voir. Après le truc c'est que ça me nique mon... Ça me nique mon shop par contre. Hein. Je peux pas... En fait le shop, c'est après même si j'enlève le trinket, je pourrais pas avoir mon shop normal. Oh, tears up. Putain mon flip. Ça serait possible de... Un cœur bleu ici. Vous ici. C'est pas là. Est-ce que ça serait pas là par hasard? Si. Merci. Oh, putain. Merde. Mon trinket qui sert à rien quoi. Le trinket qui est juste là pour faire joli quoi. Putain non. Non. Ah ça y est, regardez, il a bien voulu marcher. C'était où? Il est où mon trinket? Il est là-bas. Il est pas là hein. Oui non là c'est C'est le machin, je sais même plus ce qu'il fait. Mais si je sais pas, c'est sûrement parce qu'il est nul. Étant donné que je connais très très bien le jeu. Si je ne sais pas ce qu'un objet fait, c'est probablement qu'il est nul. Voilà. Bon allez. C'est qui ce perso? Il a l'air tendu de fou. C'est Tenty Jacob. Et donc il y a le frangin qui me poursuit tout le temps. Et s'il me touche, je deviens The Lost, mais sans le Holy Mantle. C'est chouette. Ah, il est vraiment bien, hein.
Ah par contre ça me donne des familiers mais derrière... Derrière ça me donne quand même des objets. Et du coup ils sont à 10 balles les objets. Ah putain mais c'est trop bien. Bon lui il est nul. Bah les deux sont... Là les deux sont nuls. Les deux familiers sont nuls. Donc je vais pas les prendre. Mais ça me fait des objets à 10 balles en fait. Parce que le flip... Avec le flip, en fait, il y a des objets derrière. Donc finalement... Finalement, c'est bon plan. C'est pas ce qui était prévu, mais finalement, c'est bon plan. Non mais là, faut regarder... Faut éviter le truc du milieu. Éviter les nonos qui nous balancent des merdasses. Et en plus, éviter le frangin, quoi. Vraiment. Faut faire ça dans le jeu. Ça doit être l'effet doré. Ah non, c'est mon flip, en fait. C'est mon flip qui me donne des objets. Ah, les 10 balles. Ah, peut-être qu'il y a 10 balles. Peut-être que effectivement, ils sont moins chers quand on a le trinket doré. C'est possible, en effet. Non mais j'en ai marre des salles comme ça. Bah voilà, mais finalement je me fais toucher, putain. Il y a 12 000 trucs à... Oh putain, j'en ai plein le cul. Oh non mais... Bah voilà, j'ai que des salles où faut que j'évite les merdasses du milieu et le reste. Tout va bien. Hein. Et l'autre, et le fantôme qui est pas mort. Et ce bloat, oh bah je suis pas vénère. Tout se passe très bien, hein. Putain, mais va sur The Bloat! Au lieu de m'emmerder, moi! Oh là là, je le déteste, je le déteste. Oh non, 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 non! Il y a 50 trucs hein. Mais évidemment. Putain, j'en ai plein le fion. J'en ai plein le fion de ce perso, vraiment. Pourquoi j'ai voulu jouer ça hein. Faut éviter 12 000 trucs. Si vous n'avez pas bac plus 5 en esquive dans Isaac, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de formation qui vous donne bac plus 5 esquive en Isaac, en esquive sur Isaac. Donc si vous dites oui, moi j'ai, vous n'êtes qu'un gros menteur ou une grosse menteuse. Et si vous n'avez pas ça, ce diplôme de bac plus 5 en esquive sur Isaac, ce perso est juste infaisable. Faut pouvoir tout éviter, quoi. Et des fois, vous avez 50 trucs à éviter en même temps. Et c'est pas fun. Allez, trop vite l'item, s'il te plaît. Ça ne marche pas. Ça, c'est juste un gros scam. On verra si on a encore du pognon avant de partir. Bon, évidemment, on a trouvé le rocher le crâne marqué, il est là aussi. Oh non. Putain, je me suis mis dessus. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con. Je me suis mis dessus, quoi. La salle est énorme. La salle est énorme, mais voilà, je me mets sur le trajet du frangin. Pourquoi ? Parce que bah, je peux. Je peux le faire, donc je le ferai. Le slip. Bah voilà, il n'y a plus qu'à ne plus se faire toucher du tout. Vous pouvez éviter de faire le con, merci. Oh là 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 là.
trouve, putain, je trouve ni mon shop ni ma salle. c'est un sketch. C'est un sketch. C'est voilà, c'est surprise surprise, c'est Marcel Béliveau. Il y a Marcel Béliveau dans la salle là, et en fait on va me dire mais regarde en fait non. On t'a bien eu, on a installé un mode sur ton jeu pour que le jeu devienne de la grosse merde. Je vais faire ah ben voilà, mais je ben évidemment ben je comprends mieux tout de suite. Effectivement, dit comme ça. Je me disais bien que c'était pas possible que le jeu soit si merdique. Ça serait quand même très étonnant parce que Marcel Béliveau est mort, mais c'est jamais, hein. C'est jamais. Coucou Johanna. Alors, un Magisbo. Magisbo, c'est ok, mais derrière le mythe là, mythe clos, c'est nul. Désinstalle le module sel de Tony. Impossible, impossible. Hein. Là, vu ce que je me prends, vu ce que le jeu me donne, là j'ai Flip qui me permet d'avoir. Obsess fan, c'est nul. Bon, c'est con, j'aurais dû aller au shop avant, mais. Bah, on va utiliser la scam machine aussi. Hein. Oh, pourquoi je suis venu là? Bah, ouf! Pause! Bisous YouTube.